Bonjour, la France a un incroyable talent. Eh bien, mon premier coup de cœur de la soirée, ça a été ce monsieur qui est venu avec des chanteurs. Alors, tu te dis, bon, bah, d'accord. Et puis, donc, le chœur s'appelle le chœur spectaculaire. Tu te dis, je vois pas qu'est-ce qu'il peut y avoir de spectaculaire avec, bon, des gens qui viennent chanter. Bon, pourquoi pas. Et puis, ils ont commencé à chanter. Puis, d'un seul coup, ils sont arrivés. Il y en avait peut-être 20, 30, 40, 50, beaucoup plus qui sont montés sur scène. Mais ce n'est pas tout. C'est qu'en fin de compte, tout le monde, il y avait les gens qui étaient dans le public qui faisaient partie aussi du chœur. Donc, bon, le monsieur a dit que, il peut monter jusqu'à 2000 personnes. Alors, c'était vraiment spectaculaire. Franchement, c'était vraiment très émouvant, vraiment très émouvant à voir. Le seul petit problème, c'est que à la télévision, on ne s'est pas vraiment rendu compte du. C'est-à-dire que je pense qu'il faut être sur place pour se rendre compte du côté spectaculaire, même par rapport à l'écoute. Mais franchement, c'était vraiment. Bon, alors ils ont été bien sûr qualifiés, c'était une évidence. Regardez le monde qu'il y a. Vous voyez sur la droite, tout ça, ce sont des chanteurs qui font partie du chœur. Par contre, bon, il y en a toujours un qui a eu, ça lui a pas plu, donc, mais bon, c'est pas grave. Hein. Moi, je l'appelle le Gilles Verdez de La France a un incroyable talent, il est jamais content. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.